La vie est faite de leçons. On apprend jusqu'au dernier jour. On n'est jamais suffisamment instruit. Le domaine que nous nous occupons est un domaine tout à fait particulier, le droit. Le droit évolue, le droit change, le droit s'adapte. Les contextes sociaux, les contextes économiques, tout ça, il fait du droit qu'il est fluctuant. Le droit est fluctuant. Est un complètement un fou, celui qui pense qu'il a suffisamment connu le droit et qu'il est très instruit en droit. C'est pourquoi nous voyons des plumes maintenant au Mali qui parlent de tout, sauf parler du réel. C'est dommage. Mais nous, ça ne nous dérange pas, ces plumes-là. Ça fait partie de la démocratie. Ça fait partie de l'apprentissage de la démocratie parce que nous apprenons. Les plus vieilles démocraties ont leurs problèmes. Les forces nouvelles font partie de tout ce monde-là en ce moment. Ce n'est plus au Mali, c'est partout que les forces nouvelles circulent. Et nous allons continuer pour parler encore déjà de l'histoire des 900 millions que nous avons reçus. J'ai dit à une rencontre du Maroc il y a quelques jours, quand les collègues m'ont dit, mais Madame le Président, et vous savez que dans la sous-région, le Mali avait été placé comme première juridiction rigoureuse dans tout ce qu'elle fait. Mais nous avons été surpris quand nous avons vu 900 millions, ça cassait les élans. Et comme Dieu est là, quand je voulais répondre, un message est tombé sur le téléphone du conseiller qui m'accompagnait pour vous dire la citation est faite en ce qui concerne ce dossier. Ça veut dire que nous allons en procès contre ceux qui l'ont dit. Il faudrait qu'on nous apporte la preuve que le président m'a amené 900 millions le jour du vote et qu'il me les a remis les 900 millions. J'ai dit au ministre des Finances, dis-moi, 900 millions peut peser combien de kilos? Il m'a dit 200. 200 kilos. Mais ce pauvre président, comment il a porté les 200 millions? Pour me le venir, le remettre moi aussi les 200 millions. Donc, quelque part, il s'est passé quelque chose. Et j'ai une boîte dans mon bureau que j'ai payée pour pouvoir décorer une salle qu'on appelle ici la salle des présidents. Et on a dit que c'était dans cette boîte-là. Et les observateurs internationaux, quand ils sont venus, ils ont dit, mais Madame le Président, qu'est-ce que vous avez fait des 900 millions? J'ai dit, ils étaient bouffés. Il n'en reste plus un sou. Le jour en question, les conseillers n'étaient pas à Bamako. Aucun conseiller n'était à Bamako, sauf le doyen qui s'occupait du district. Alors, ils étaient, c'est prouvé, les ordres de mission sont là, les billets d'avion sont là, les cartes qui ont transporté sont là, vous étiez membre de la délégation par quelque part. Alors, donc, j'ai dit au Maroc, j'ai bouffé. Les observateurs ont dit, Madame, notre part, je dis, il n'en existe plus rien. J'ai fini de bouffer. En un rien de temps comme ça, je dis oui. C'était facile à dépenser, c'était de gros billets. Personne n'a vu sauf moi. Voyez-vous l'effet de la force nouvelle qui discrédite celui qui fait la force nouvelle, qui fait un problème de décence, de respect de soi-même, d'accuser une institution, l'institution la plus importante de l'État, qui s'occupe même de la stabilisation de l'État. On dit que nous sommes incompétents, d'accord. Je ne cesse pas d'être compétent du tout. Et tout le monde ici est d'accord à être incompétent, mais nous sommes là. Notre mandat est de 7 ans renouvelable, d'après l'actuelle constitution. Sans la fin de ce mandat, on n'ira nulle part. Le président ne peut pas nous sortir. Aucune action ne peut nous sortir d'ici. Nous sommes là pour rendre les décisions de l'État. Ceux qui veulent l'accepter, d'accord. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, c'est leur droit. C'est la démocratie, mais nous allons continuer à les rendre. Ça, c'est pour entreprendre déjà le débat. On va continuer dans le détail après. Thank you.